bien dit que t'es enceinte? Oui. Ben, c'est une nouvelle, ça. Sharon a une nouvelle à vous apprendre. C'est plus fort que moi. Oh, je suis désolée, Sharon. Vas-y, dis-leur. Je vais avoir un bébé. Waouh, c'est géant, Sharon. Quoi, c'est tout? Les femmes, tu sais. Ouais. T'aurais dû nous en parler tout de suite. Nous avertir que t'allais tomber enceinte, parce que comme ça, on aurait pu faire quelque chose. Mais elle est pas mariée. Ça, je sais. Qui c'est qui a fait les dégâts? On n'en sait rien. Désolée, je le dis pas. Ah, Sharon. Une indication? Non. Mets-nous sur la voie. C'était décidé, la mère. Non. Qui c'est qui lui a fait le gosse? Elle veut pas le dire. Elle ne sait pas. C'était un des petits matelots espagnols. Quoi? Et tu me dis que tu te rappelles pas comment il s'appelle? J'étais bourré, je t'ai dit. J'étais bourré quand j'ai connu ta mère, mais je me rappelle comment elle s'appelle, c'est qu'elle. On dirait vraiment qu'il n'y a qu'une personne dans cette maison qui prenne la chose au sérieux, c'est moi. Excuse-moi, c'est moi qui suis enceinte. T'es de mauvais poil là, mais c'est à cause de tes hormones, on en reparlera tout à l'heure. C'est plus pareil de nos jours. Maintenant, tous les maris sont là, avec leurs femmes, tu vois. Je pense que c'est bien mieux. Tout va bien jusque là. Mais dégage, espèce d'abruti! $3,500. Hein? C'est quoi? C'est une dinde ou c'est un bébé?